Oui, bonjour, ma grâce. Jeudi 16 avril 2024, à Gabon, le président Irungi Nguema a pris à faire le dialogue national, a organisé cela et a remis sous l'onction de l'Église. J'ai vu que c'était un piège pour l'Église du Gabon. Beaucoup ne savaient pas. Et là-dedans, j'ai dit que dans chaque regroupement, il y avait l'Église, le frère, le président Linguema avait introduit quelqu'un comme Frère Duclos, et personne ne le connaissait. C'était des espions pour avoir des bonnes informations dans ce qui se passait dans ces réunions-là. Tous ceux qui voulaient tordre les Écritures étaient déçus. Parce que la manière que ce frère retracer les Écritures, restaurer les Écritures, c'était terrible. Et qui disait exactement ce qui est écrit. Terrible. Le président Linguema a introduit les espions dans chaque groupe, dans chaque église. Il avait constaté qu'il y avait les prophètes de Baal, beaucoup de prophètes de Baal au Gabon. Et il avait invité, il les avait piégés pour les faire mourir. Et voilà, l'esprit de Dieu est sur le président Linguema. Et voilà comment je me suis réveillé de ce songe.